Je vais t'inviter à prendre trois grandes inspirations en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Et en te connectant à ta respiration, je vais t'inviter tout simplement à déposer ton attention à ici et maintenant, de te connecter à ta respiration, à te connecter également à tes sensations dans ton corps. Alors, si tu es assis, ça peut être de te connecter aux sensations de ton corps sur la chaise ou encore de tes pieds au sol. Prends contact avec ton corps et je t'invite à porter ton attention au niveau de tes pieds. Alors, si tes pieds sont au sol, ça va être de porter ton attention au contact de tes pieds avec le sol. Quelle est la température? Est-ce que c'est chaud? Est-ce que c'est froid? Quelles sont les sensations que tu ressens au niveau de tes pieds si tu es assis, par exemple, les pieds sur ta chaise ou les jambes croisées? Ça peut être tout simplement pareil, quelles sont les sensations que tu ressens au niveau de tes pieds en contact avec la chaise? Et encore une fois, cette méditation, il n'y a rien à performer, à atteindre. C'est un exercice de se déposer et d'être ici et maintenant, de danser avec la vie, avec ce que tu peux ressentir, penser sur le moment. Alors, s'il y a des pensées qui viennent interférer dans la méditation, je t'invite tout simplement, sans jugement et en toute bienveillance, à les accueillir, à les noter et à revenir à ici et maintenant, à ta respiration ou encore peut-être à ma voix. Alors, pour cette méditation de nouvelle lune en Lion, je vais t'inviter à te connecter à ton pouvoir intérieur, à cette force intérieure qui est en chacun d'entre nous, qu'on en ait conscience ou non, de prendre le temps de ressentir en soi cette force que l'on a tous et toutes en nous. Cette lumière qui est en nous et qui n'attend qu'une chose, de briller. Alors tu peux porter ton attention au niveau de ton cœur et venir respirer dans ton cœur. Venir imaginer que au niveau de ton cœur, en son centre, il y a une lumière, comme une étoile dans le ciel qui scintille. Alors imagine que à chacune de tes inspirations, cette étoile qui scintille, cette lumière va venir prendre de plus en plus d'expansion en toi. Cette lumière n'attend qu'une chose, c'est de briller de l'intérieur de toi vers l'extérieur. Car comme une étoile dans l'obscurité, elle ne peut être que vue, elle ne peut être masquée. Alors, enlève tes boucliers et laisse cette lumière s'illuminer, prendre de l'expansion pour briller aux yeux de tous. Alors, à chacune de tes inspirations, cette lumière va prendre de plus en plus d'expansion pour venir rayonner dans tout ton corps. Tout ton corps va être empli et désormais empli de cette lumière étincelante, cette lumière d'amour, de confiance en soi. Et cette lumière va continuer à prendre de l'expansion alentour de toi pour comme t'entourer, comme dans une bulle, une sphère lumineuse. Et je vais t'inviter à nouveau ici
à prendre trois grandes inspirations en inspirant par le nez et en venant vraiment gonfler le ventre et d'expirer par la bouche jusqu'à venir contracter les abdominaux et à ressentir les sensations dans ton corps, ressentir cette énergie en toi qui s'expand de toi à l'entour de toi. Car la force intérieure n'est pas une force qui vient de l'extérieur. Elle est déjà en toi. Tu as déjà en toi tout ce dont tu as besoin pour être en toute simplicité. Il s'agit ici de reconnaître sa valeur au travers de l'être que l'on incarne, et non pas d'accrocher sa valeur au travers de ce que l'on fait. Il y a vraiment une invitation ici à reconnecter avec sa valeur d'être en simplicité. Parce qu'on a tous, chacun et chacune, une valeur qui nous est intrinsèque de par notre simple existence, de par le simple fait d'exister sur Terre, notre présence, notre énergie apporte beaucoup plus de valeur que ce que l'on peut penser aux personnes qui nous entourent par la seule et unique raison d'être. En simplicité. Alors, il n'y a rien à aller faire, chercher, que d'être et de laisser briller notre propre lumière intérieure. Car en acceptant sa lumière, ce n'est pas prendre la lumière de l'autre, mais au contraire, en brillant, c'est venir allumer la lumière de l'autre. Alors, plus tu vas t'autoriser à briller, ta propre lumière, plus tu vas avoir une contribution dans le monde et aider l'autre à allumer sa propre lumière. Alors aujourd'hui, je t'invite, toi qui écoutes cette méditation, et je nous invite au travers de l'espace-temps, puisque le temps n'existe pas. Toute personne qui écoute cette méditation va se connecter en collectif à notre lumière collective, car il n'y a rien de plus beau qu'en activant notre propre lumière, que de venir activer la lumière de l'autre, et notre lumière, la lumière de l'autre, devient un tout, devient notre lumière. Alors venons activer ensemble notre propre lumière, notre lumière collective, pour venir élever les fréquences de notre propre corps, mais également élever nos fréquences collectives. Et en augmentant notre fréquence collective, qui est une fréquence d'amour, de lumière, nous venons aider les autres à augmenter leur fréquence, nous venons aider la planète à soutenir cette fréquence haute. Tout est question ici, dans cette nouvelle lune en Lion, que de venir prendre des actes qui vont nous permettre de reconnecter avec notre être, avec notre lumière, avec notre pouvoir, avec notre responsabilité, de notre bonheur, d'écouter nos besoins. Et de transposer l'écoute en action. Car c'est ce qui crée le mouvement, qui crée la transformation. Alors maintenant que tu ressens cette lumière en toi, que tu as laissé s'expandre au travers de toi, au travers de nous, en tant que collectif, n'oublie jamais que tu n'es pas seul. Que tu es connecté à tes frères et sœurs d'âme.
En nous, il y a une force de connexion puissante qui nous permet à la fois de reconnecter à l'autre, mais de connecter à soi, d'oser être soi, car c'est normal d'avoir peur, mais c'est encore plus important d'avoir le courage d'oser dépasser ses peurs. Alors, je vais t'inviter une nouvelle fois à prendre trois grandes inspirations et d'expirer par la bouche. Et je vais t'inviter à porter ta main sur ton cœur et de ressentir ton cœur qui bat dans ta poitrine. Je vais t'inviter à porter un léger sourire sur ton visage, à sentir ta valeur inestimable d'être dans l'ici et maintenant ce que tu es. Car tu ne le vois peut-être pas autant que moi, que les autres, mais oui, ta valeur est inestimable. Et lorsque tu te connectes à ton cœur, il n'y a plus de peur. Il n'y a que la force en toi et le courage d'être tout simplement qui tu es. Et tu es assez en étant qui tu es. Je vais t'inviter, lorsque tu es prêt, à tranquillement revenir à ici et maintenant, à prendre une grande inspiration et lorsque tu es prêt à réouvrir les yeux, à te sentir connecté à ici et maintenant, au moment présent, à ton pouvoir intérieur et à toute cette belle énergie qui est en toi et qui va t'accompagner dans les 30 prochains jours de ce cycle lunaire pour transformer ta vie avec plus de lumière et de courage à dépasser tes peurs, car je le sais à quel point tu en es capable et tu as toutes les ressources nécessaires en toi pour t'y connecter. Alors, merci d'avoir écouté cette méditation et je te dis à très vite.